está del grano que el mundo da no llega. Fire, give me that fire, fire. Yo coupe la musique comme ça le japap direct. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, il faut lancer les aussi. Il faut battre le fer quand c'est encore chaud. Vous voyez un peu, non? J'ai envie de parler de la Vilaps. La première n'avait pas prononcé son nom. La Vilaps qui a dit que on ne doit plus envoyer là au pays, mon frère. Elle a dit ça à la télé, elle a dit que elle pense qu'on doit bloquer les envois d'argent, maman. Hey, non. Elle a dit qu'on ne peut pas voir la presse comme ça, là, normal, bouche n'encre pas dedans, parce que si elle ne parle pas le jazz, qui va encore parler? Qui va encore parler, mon frère? Quand quelque chose te touche, non? Donc, comme si quelqu'un partait appuyer la blessure là. Vous savez, il y a souvent, quand tu as la blessure là, on touche la blessure, ça fait mal. Dans l'endroit, ça fait mal. C'est ce que la gueule a fait, mon frère. Il y a les gens comme nous aussi que avant d'arriver en Belgique, on a au pays, vraiment on a eu beaucoup la souffrance, on a eu beaucoup la tort, vraiment. Les gens qui cherchent encore comment faire pour arriver ici là, c'est chaud. Et que parce qu'au pays c'est chaud, on partage là, partager seulement, il n'y a pas de partage là, moi et tout le monde parle ma chose. Dès que tu arrives au pays, c'est chaud mon frère. Tu vois, maman, tu réfléchissais même qu'il veut même faire quoi dans ces dehors si tu ne trouves pas. Tu réfléchis que ouais, dis que ma part va sortir comment dans le dehors si tu ne trouves pas, frère. Quand tu as la possibilité et que le village, tout le village entier se met comme ça, là, que non, on va cotiser l'argent pour te sénambé, mon frère. Quelqu'un vient dire que si c'est que tu as même les minutes comme ça, là, tu ne peux pas envoyer à tes parents, gars. C'est même pas le mauvais cœur, ça que c'est quoi? C'est même pas le mauvais cœur, ça que c'est quoi, franchement? Parce que, gars, moi je comprends pas certaines personnes. Tu es venu en Bengue comme tu es venu là. Moi je pense pas que, comme elle est venue en Bengue, elle a trop travaillé quelque chose dans le dehors là. Dans le dehors qu'on connaît là. Jusqu'à avoir l'argent pour la caution, l'argent pour le billet d'avion, l'argent pour les frais de ceci et de cela. Et pas c'est tout ton parent qui a oua pour t'envoyer en Bengue, maman. Hein? Même si c'était le chaud, le chaud n'a pas oua pour t'envoyer en Bengue. Quelqu'un a oua pour t'envoyer en Bengue, non, mon frère. Donc, quand tu arrives en Bengue comme ça, là, au lieu de penser même à tes gens que non, je suis arrivé comme ça, là, il faut au moins que j'essaye d'aider les gens. Que j'essaye d'aider mes personnes. En fait, pas dans le dehors, c'est qu'il y a nos parents comme ça, là, que ça ne donne pas. Si tu as même les miettes, tu ne vas pas prendre tes miettes comme ça, là, tu envoies. On va encore limiter même les miettes que tu vas envoyer. Parce qu'il y a des gens comme nous, c'est vraiment tout le village compte sur eux. Les miettes que tu pouvais envoyer comme ça, là, non, quelqu'un m'a dit que non, n'envoie plus où tu as envoyé comme ça, là. Alors que la pension des frères, de tes petits frères, c'est toi qui dois payer. C'est toi qui dois rationner. C'est toi qui dois tout faire, mon frère. Parce que ça ne donne pas. Parce que quand tu étais au pays, mon frère, il y avait tout quelqu'un qui rationnait pour toi. Il y a quelqu'un qui rationnait pour toi. Il y a quelqu'un qui prenait soin de toi. Hein? La gosse se place en Mondo Visio. Elle ouvre ses soupapes. J'ai dit, c'est pompé, gâché. Elle ouvre ses soupapes comme ça. Puis dit que, on doit bloquer l'envoi. Mon frère. Elle ne sait pas que les gens vivent seulement des dos de Mbeng, mon frère. Non. J'ai dit que non. Je ne peux même pas laisser la paix ici. Que même si c'est quoi, elle se va parler. Parce que moi, c'est que la fille l'a fait. On ne fait pas ça. Si tu as oua au pays, mon frère, tu ne peux pas dire les trucs comme ça là. Si tu as vu tes parents oua au pays, que toi-même là, on t'a mangé, t'as dépassé. J'ai dit que tu as souffert. Tu réfléchis tellement comment tu voulais t'en sortir, tu n'en sors pas. Tu réussis à oua en bain. Tu veux ta bouche pour dire ça, maman. Tu veux ta bouche pour dire ça, alors que tes parents sont encore vivants, alors que tes parents seront vieux, auront besoin de toi dans le dehors si. Tu veux ta bouche, comme tu es arrivé en France là, tu veux ta bouche, tu dis que oh, on a quelqu'un pour aider sa famille, qu'on doit limiter. Mince, le toupet, non, j'aime pas ça, l'audace, le gros cœur de ça.
Elle dit bien que oh, elle a vu comment est-ce que l'argent qu'on envoie en Bengan, les gens paresseux. L'argent qu'on envoie de Bengan, les gens paresseux. Maman, on s'en sort. Tu t'en sors toi au pays avant d'aller en France. Ta vie a donné. N'importe, tu avais dit que oh, tu as souffert à l'université de Douala comme du n'importe quoi. Donc ta vie donnait trop avant que tu as décidé que non, ma vie donne trop ici au pays, il faut que j'aille d'abord en France voir comment les autres vivent. Ça donnait. Il faut qu'on se dise la vérité, mon frère. Souvent quand on sort du pays là, c'est même pas que ça donne, gars. Ça ne donne pas. C'est chaud. C'est chaud. Les vrais. Donc, les gars qui calent au pays, ce qu'a dit que non, je ne veux pas voir un bain. Mais fais ça, un mouna pour bobo. C'est que tu n'as pas faim. C'est que tu n'as pas faim. Tu n'as pas un mouna pour têter. Les mouna pour têter, mon frère. Quand, il dit que ce sont les pauvres qui voyagent. Ce sont les pauvres qui voient, ce sont les pauvres qui cotisent leur miette pour envoyer les enfants en Europe. Étudier, fréquenter. Ça laisse qui? Ça laisse qui? Et quand tu vas commencer à travailler, non, il faut un compte limite, ça rend les gens paresseux. Ça rend les gens paresseux. Mais quand tu étais au Cameroun, là, tu étais trop travailleuse. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas calée au Cameroun. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas calée au Cameroun. Tu dis que tes parents ont fait les mains et les pieds pour t'envoyer en bain. C'est parce que tu étais trop travailleuse. C'est parce que tu vois que non, tu étais la plus grande travailleuse dans le DOC. C'est pour ça qu'on a dit que non, non, il faut qu'elle aille en bain. Là, ça rend les gens paresseux. Hein? Ça rend les gens paresseux. Partir recevoir l'argent de bain rend les gens paresseux. Ah, mais Dieu. Mais ne dis pas certaines choses parce que vraiment, il y a Facebook aussi que quand tu vois ta bouche pour dire certaines choses, on peut même te signaler. Facebook dit que oui, ça cause, c'est pas que tu avais dit ça. C'est pas que tu avais dit des trucs comme ça. Là, c'est pour ça que non, je ne te dis pas tes mimbans. Mais si je te dis tes mimbans en français, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il y a certaines choses que non, quand tu es africaine, quand tu es camée, tu ne dis pas. Même si tu penses comme ça là, tu ne parles pas devant la télé, tu dis les choses comme ça là, gars. Même si tu penses, il y a des choses qu'entre nous là, on peut même faire. Mais ça cale entre nous. Oha. Mon frère, il faut souvent couvrir nos... Est-ce qu'on expose tout comme ça là? À tort ou à raison? Mon frère, il y a que mon frère, tu couvres. Tu sais que non, ça ne donne pas. Tu couvres. Tu sais que non. Tu as peut-être raison. Tu as peut-être envoyé un agent à ton oncle. Ton oncle te demande tout le temps. Tu dis que ton oncle ferme ceci. Il bat, mon frère. Mais tu ne dis pas ça à la télé. Tu couvres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui agit comme ça. Et en disant ça, ça va devenir que les gens en Afrique n'aiment pas travailler. Pourtant, gars. Pourtant, la force qu'on a dans la force qu'on a pour se débrouiller, c'est dur. C'est pas facile de trouver ça. Moi, je crois les gens ici en Bengue. Il y a beaucoup de personnes ici en Bengue qui ne se débrouillent même pas comme quelqu'un qui se débrouille au pays pour s'en sortir. Ils ne se débrouillent pas. D'autres n'ont même pas besoin de se débrouiller. Gars. Mais au pays, si tu ne te débrouilles pas pour mettre, j'ai dit que pour chop comme ça, là, tu vas trouver la chop où? Est-ce que quelqu'un va se réveiller un jour, on va dire que bon, allocation, comme on dit souvent là-bas en France, allocation de ceci, allocation de cela, que viens prendre la nourriture, qui va venir au Cameroun, dit que viens prendre la nourriture, tu manges, genre comme ça là. Vous avez vu ça quelque part? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Putain, ben! Il y a les endroits où quand tu as faim, on dit que viens au moins le riz si tu peux préparer. Viens prendre le riz avec l'huile quand ça ne donne pas, tu peux préparer. Au Cameroun, il y a ça. Il y a ça au Sénégal, il y a ça au Gabon, il y a ça en Côte d'Ivoire, il y a ça là-bas en Afrique. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mon frère. On n'a pas de soutien social. On n'a pas ça. Nos soutiens sociaux, mon frère, ce sont les Benguistes. Il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, quand ça tombe, c'est un Benguiste qui dépanne. Et quand c'est comme ça, on va te dire que non, tu ne peux pas envoyer ton argent comme tu veux. Heureusement que la parole vraiment d'une guinoum là n'a même pas d'incidence sur quelque chose. Parce que si on devait seulement entendre la bouche, j'ai dit que les gens qu'on a pris vraiment en brousse,
On voit que tu es noir, on te tue même. Mais ils vont dire que non, les noirs sont comme ça là. Ce sont les noirs qui font ci, ce sont les, voilà, les gens comme nous qui font ci, ce sont les gens comme nous qui font ça. Car, souvent il faut se respecter dans le déo aussi, vraiment. Il faut se respecter. Et vraiment, la chèvre là, parce que j'aime pas appeler la fille là. Mais quand tu es l'enfant de quelqu'un et que quelqu'un a souffert sur toi, tu reconnais qu'il faut souvent fermer ta bouche. La Coca-Cola, elle a abusé. On ne fait pas ça. Bon, moi j'ai fini de parler sur elle. Parce que vraiment, je pense que comme elle voulait que star là, elle sera star. Comme elle voulait qu'on parle d'elle là, on va parler d'elle. Si c'est le cloud qu'elle voulait, on va bien parler d'elle. Bon, pour l'instant, voici tout ce que j'ai à dire voilà, sur la gola, man. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, il faut en parler de Radiane Mélanie London. Radiane, c'est Mélanie London. Ou c'est Sandra Choco. Ou c'est Afrique A1. Ou c'est Kyo. Moi, j'ai suivi le direct de la Goula l'autre. Je n'ai pas tout suivi, parce que c'est 3 heures vraiment. Faut pas souvent fatiguer l'esprit des gens. Tu veux en dire 3 heures pourquoi? Tu sais à quoi? Bref, j'ai quand même suivi son direct. Mais moi j'ai dit une chose, selon mon opinion, comme elle a dit que ouais va porter plainte à tout le monde de Dios, mon frère, quand tu as pas la langue, quand tu as faim vraiment, tu n'aimes pas vraiment. Donc, je vais aussi dire, comme elle a dit, selon mon opinion, voilà, selon mon opinion, Radiane Mélanie London, tu es Afrique A1. Hein? Et c'est pas qu'ils sont en train de classer avec toi, mon frère. Les non-aimes ne classent pas les gens qui sont connus, tu vois un peu non? Selon moi, selon mon opinion, moi, Luce, Radiane Mélanie London, tu es Afrique A1. Tu es Afrique A1. Tu es de boss. Tu es tous tes comptes, on appelle ça secours là. Tous tes comptes secours. Quand on signale déjà trop Afrique A1 là, tu es tout le monde là. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'elle a un compte secours qu'on appelle de boss. Dans le compte secours là, mince, la gosse au public maintenant, genre, elle n'a même plus peur des gens. Elle n'a plus peur des gens. Donc, Radiane Mélanie London, à mon opinion, comme tu avais ouvert ta bouche, quand tu avais dit avec tes lèvres et tes dents et ta langue que biscuit de mer n'est pas enceinte, selon ton opinion. Moi, je dis aussi que selon mon opinion, tu es Afrique A1. Et il faut que tu nous dises souvent. Il faut que tu nous dises parce qu'un jour, ça doit sortir. Il faut que tu nous dises ce que Biscuit de Mer t'a fait dans le DLC. Où elle allait manger ton os. Parce que l'acharnement, le degré de haine, le degré de méchanceté, la campagne de sabotage, la campagne... Mon frère... C'est abusé. Moi, j'étais là, j'étais présente quand tu as fait la fameuse campagne qui disait que oh, Biscuit de Mer n'est pas enceinte. Ya. La honte n'est pas encore étouffée dans le déo, si comment? La honte n'est pas encore étouffée dans le déo, si comment? Tu n'as pas honte. La honte ne te fait pas. La honte ne te fait pas, maman. Toi qui avais dit cela, oh, elle n'est pas enceinte. Oh, vous voulez, vous avez dit que, elle a dit qu'elle est enceinte, elle n'est pas enceinte. Elle programme d'aller voler l'enfant quelque part. Son mari, elle programme d'aller voler. Bon, vrai. Moi, je dis seulement, oh, il paraît que, parce que vraiment, même il paraît que ça n'a même pas quelqu'un en prison. Il paraît que tu as dit que biscuit de main. Biscuit de mer allait voler l'enfant. Biscuit de mer, ils sont en train de faire les plans pour aller kidnapper l'enfant d'autrui. Un jour c'est un garçon, demain c'est une fille. Ils veulent aller kidnapper, ça ne va pas marcher. Machin tout. Il est pendant des mois sans se fatiguer. La fille, elle t'a pris quoi? Elle t'a pris quoi? On peut être autant acharné sur une personne. Mon frère, c'est ma père a fait les passer. L'enfant est né. On a vu qu'elle ressemblait au père.
On a vu que c'était la photocopie du papa, qu'on va laisser l'affaire passer. On va pas laisser ça passer, mon frère. Tu vas nous expliquer de dehors aussi ce que la gola t'a fait. Parce que non, il y a souvent, on dit ça souvent, on dit souvent ça au moins, il y a méchanceté, méchanceté. Mais ton niveau là, non, frère, tu as délivré les niveaux. Tu as délivré les niveaux. Donc, tu vois, quand le jeu finit, peut-être au niveau 11, quand tu arrives au niveau 14 une fois. Tu arrives au niveau 14 une fois. Campagne de sabotage. Niveau 14 une fois. L'acharnement. Comme si tu n'avais rien à faire de ton existence, vraiment. Tu dois nous dire, gars. Tu dois nous dire. Parce que, à mon opinion, c'est toi, Africa 1. Et un jour, si tu te rappelles bien, avec le compte d'Africa 1, tu avais Slimane Branche que tu avais eu là-bas en Angleterre. Et tu étais en train de parler avec tes copines. Mais j'ai vu. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas capturer ça. Et ça, pour moi, c'est pour ne pas capturer ça. C'est bien toi. C'est bien toi. Et un jour, tu vas nous expliquer. Par exemple, tu as dit que oh, tu vas porter plainte aux gens là. Un jour, tu vas nous expliquer. Parce que l'acharnement, la méchanceté. La méchanceté. La goutte de trouille était enceinte, mais elle ne pouvait même pas vivre sa grossesse. Elle ne pouvait pas bien vivre sa grossesse. Mais tu racontais partout, partout. Partout, partout qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle est en train de programmer, aller voler l'enfant quelque part. Ya maman, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Moi, elle dit seulement. Moi-même, sur toi, là, vraiment, j'ai fini de parler. Parce que. Trop parler, c'est maladie. Ouais, fini de parler. Ouais, fini mon jabot comme ça là. Vraiment pas, ça sort comme ça sort. Quand quelque chose est dans mon banque, non, ça ne cale pas. Quand ça arrive un peu, ça me chauffe comme ça. J'ai dit 18h30, il y a 18h30, il fait le direct. Parce que, gars, moi, je n'aime pas garder les choses dans le corps, vraiment. Quand ça ancre, c'est comme ça que ça doit sortir. Quand ça ancre, c'est comme ça que ça doit sortir. Ça ne cale pas. Ne cale pas. Non, c'était Luce. Merci de partager, de liker vraiment. J'ai adoré vos commentaires et vos interactions sur ma dernière vidéo, vraiment. Vous avez dit que n'est-ce pas tu veux qu'on te connaisse, on va te connaître. Et que non. Je remercie tous vos commentaires. Mais personne, gars. Elle dit que quoi? Elle veut raconter que quoi? Pardon. Partagez encore, vraiment. J'ai enjoyé vos commentaires jusqu'à au bout de ça. Pardon, quand je suis née, n'oubliez pas de commenter. Donc, elle dit que, oh, où m'avoir fait quoi? Elle dit que non. Non, depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 années. Que je suis sur terre. Et ça, pas qu'elle a un chat. Facebook va me tuer. Ouais, je faisais pas direct depuis pourquoi? Oh! Je faisais pas direct depuis pourquoi? Hein? Mon frère. Non, il fallait que vous en sachiez depuis. Quoi? Que ça, c'est quelle voix ça? C'est ma voix! Souffrez de m'entendre! Souffrez, souffrez la souffrance de m'entendre, mon frère. La voici, hein? Ça va rester comme ça. Et je vais tout allumer ma caméra. Je vais tout parler à ma voix, c'est parce que ça va changer vraiment quelque chose que Dieu t'a donné. Et que non, vous allez seulement souffrir. Et là, c'est mon père comme ça, vous allez me dire, mais à cause de sa voix d'enfant de 5 ans, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ma voix. C'est ma voix. Oh, ta voix est bizarre. Oh, regarde, c'est quelle lèvre ça? Maman, c'est au 100% bio. Sans chirurgie esthétique. Sans chirurgie esthétique, vraiment. Très adapté pour les jeux brutaux. Dis que non. Violent pour les jeux brutaux. Sans chirurgie esthétique. Sans chirurgie esthétique, 100% naturel, vraiment. Le médicament, vraiment.
Made in Cameroon. Les gens passent souvent gonflés, qu'ils pompent les gens passent souvent pomper les lèvres pour que ça sorte de la passion. Prêt. Mais c'est comme ça, non? 100%. 100%. Un qui go all on jang sans. On va faire quoi? Ça ne donne pas. Car on frotte comme on peut. Que oh, arrête le jang sans maman. On frotte comme on peut. On va faire comment? On que attends, il vous montre bien les kentos. Mais j'ai fait une vidéo pour perdre mes kentos aussi. Comme il y a un qui ont les kentos naturellement, et il y a des gens qui ont des endroits sombres sur eux naturellement. Mais pour moi, ce sont les kentos, vraiment. Vous avez seulement que il va afficher, il va répondre. Vous avez souffert ce même matin, mon frère. Et de façon, j'aime babader là. De façon, j'aime babader, Seigneur. C'est Dieu seul qui sait. Combien j'aime bavarder. Vous avez seulement souffrir. Vous avez souffrir, vraiment. Vous avez seulement vous allez avoir souffrance. Vous allez avoir souffrance. Vous allez souffrir. Ah, c'est là, bien là même. Très bien en évidence. La tête est pose. Vous oubliez, ça devient ma marque de fabrique. Il se manque salut, c'est lui. On fait comment? Non. Non, j'ai adoré vos commentaires, vraiment. Merci, merci beaucoup. Et merci aussi pour le soutien. Merci pour le soutien, vraiment. Je viens à peine de débuter, vraiment. Et j'aime le Congo ça. Le Congo ça veut ma mort. Encore moi, je m'enchaîne dans le déo aussi. Moi, j'ai entendu que il y a les vidéos du flink en flac. Hein? Il y a les vidéos de l'écrasement de déo aussi, vraiment. Ouais, elle va aller chercher la vidéo là, on va commenter. Ben, il ne peut même pas entendre qu'il y a l'écrasement des stars et il laisse ça, mon frère. Il ne parle pas pour qu'il parle. Il ne commente pas pour qu'il commente, mon frère. Dès que non, je vais aller fouiller ça, même si ça se trouve où. Il va aller fouiller. Il va aller fouiller. Il va aller fouiller les vidéos là. Je vais aller chercher. Je n'ai pas encore mettre tout mon répertoire, mes contacts. Dès que non. Allez chercher ça, vous me donnez pas, moi, mais je dois voir et je dois commenter seconde après seconde, chaque détail, aucun détail ne serait pas vraiment, mais en autre langage, genre que vraiment, Facebook ne va pas dire que tu es en train de raconter l'étude de papier, maman, tu es jeune, ça. Il me ferme la porte pour rien, normalement, il va seulement chercher, il va vous raconter, même ceux qui ont vu. Non, parce que je vais vous raconter là. Vous allez croire que vous n'avez pas vu la même chose. Oh non. Je jure. Parce que je vais raconter le truc de l'écrasement là. Hein? Parce que je vais raconter l'écrasement là. On va vous dire que c'est le même écrasement que vous avez vu. Vous avez du cono. Oh non. Et même chercher ça, il dit. On a dit qu'il y a les dossiers très lourds dehors, les buzz à venir. Donc, il m'a cherché les buzz. Entre temps, moi, je vous laisse parce qu'il doit aller chercher les buzz pour bien vous raconter les vidéos d'écrasement. Ce fut un plaisir, vraiment. Merci beaucoup encore. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et j'ai fini avec le direct. Bonne soirée à vous.